Also joining us on the 1 p.m. Bilingual newscast on Canal de International, presented to you by Junior Hossein and myself, Gladys Sambo-Diban. Good afternoon, Junior. Good afternoon, Gladys Sambo. Bonjour à tous. Bienvenue aux 13h sur Canal de International. Voici les titres de votre journal. Football, le nouvel entraîneur, sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun est au Cameroun depuis hier soir. Marc Brice est en ce moment reçu en audience par le ministre des Sports, Narcisse Moelle-Ekambi. Dans ce 13h, nous y en retrouvons en direct du ministère des Sports du côté de Yaoundé, Daniel Anissé-Boudjé et Constant Kanga. And eagerly, the arrival of Marc Brice as the new coach of Cameroon's Indomitable Lions has been marred by controversy with allegations of favoritism, OPEC selection processes casting doubt over his suitability. Despite initial hopes for rejuvenation, Brice's appointment has left fans divided and disillusioned, raising concerns about the direction of the national team under his leadership. As the Football Association faces mounting pressure to address these issues, all eyes are on Brice to prove his detractors wrong and guide the Indomitable Lions to success amidst the turmoil. En culture, l'artiste Joseph Francis Meunier continue d'impressionner son public avec le monument de la Nouvelle Liberté au rond-point d'Eido, place donc aux neuf notables à l'espace public de la poste centrale de Douala à Bounandjo. Une sculpture d'assemblage de matériaux de récupération qui traduit la loi coutumière en pays Bamileke. Les précisions dans un court instant. And after a month-long disruption caused by separatist fighters, full activities have resumed on the road linking Bamenda to Nigeria via Batibo, Widikum and Mamfi. Separatist fighters had warned against using the Trans-African route, accusing government forces of prioritizing its use to the detriment of the population. Until March 4th, vehicles on Bamenda were only able to travel as far as neighboring Bali in the Mezam division. Those were major stories. Stay tuned for developments. Merci de regarder Canal 2 International et on débute ce journal avec vous, Gladys Sambo. Thank you. Begin with football. In spite of the avalanche of polemics surrounding the appointment of a new coach of the Indomitable Lions of Cameroon, the Indomitable Lions, or by the Minister of Sports, Marc Brice, is finally on Cameroon soil to take up functions. The Belgian-born technician arrived in the capital city, Yaoundé. That was late on a Sunday, and he comes amid threats by the Cameroon Football Federation, FECAFOOT, to appoint a rival staff for the same team. You have the details with Divine Tarike Jr. It is a pretty crazy soap opera scenario that has been constituting talking points and sending lips flapping across Cameroon in recent days. And it all revolves around the subject of the appointment of a new coach hired to replace the ejected Rigobert Song. The Belgian-born Marc Brice was indeed appointed to the surprise of many football stakeholders and observers for the position. The decision taken by the Ministry of Sports almost immediately provoked an uproar, with the Cameroon Football Federation FECAFOOT, led by Samuel Eto'o, announcing its embarrassment on the grounds that the minister acted unilaterally. At an emergency conclave held at the weekend, FECAFOOT executive committee members bestowed upon Samuel Eto'o the power to appoint a new staff for the Indomitable Lions within 72 hours. That deadline expires Tuesday, and before then, the unfolding saga was accorded a fresh twist Sunday evening when Marc Brice arrived in the capital Yaoundé to start his new adventure. According to the Belgian, he is eager to get to work as soon as possible and is pleased with the decision by the Cameroon government to select him as Rigobert Song's successor.
It is hard to tell in the meantime what the future holds for the frenzied and image-tarnishing conflict between the ministry and the federation, but observers are almost unanimous that the battle for control of the country's national football team speaks volumes about what the common man is yet to perceive. Are we continuing sports, Junior? Le nouvel entraîneur des Lions indomptables a déposé ses valises au Cameroun. Marc Brice est arrivé à Yaoundé hier soir par l'aéroport international de Simalène. Il est reçu en audience en ce moment par le ministre des Sports, Narcisse Moulin-Kombi. Eh bien, dans un instant, nous y ont retrouvé sur place. Je vous le disais en titre, Daniel Anissé Boudier et Constant Kamga. Mais avant cela, on va s'intéresser à un autre sujet. Dans nos marchés, l'huile raffinée conditionnée en bidon de 20 litres. 5 litres, 25 litres, 1 litre continue justement d'être vendu à prix d'or dans les marchés malgré la récente mesure du ministre du Commerce, Lumagloabaga Atangana, qui indique justement une baisse des prix. À ce jour, cette mesure tarde à être appliquée, ceci au grand désarroi du consommateur. Bon, cela avec Siri Kwakam et Henri Tinda. 1500 francs CFA le litre d'huile raffinée au marché Sandaga Douala. Celui de 20 litres est vendu à 24 000 francs CFA. Les nouveaux prix homologués par le ministre du Commerce, Luc Magloa-Maga Tangana, les ramenant à 1100 francs CFA le litre et 22 000 le bidon de 20 litres, semblent ne pas être respectés. Les 20 litres, on le vend toujours à 24 000 francs le bidon. Donc, pour moi, les prix ont baissé sur Facebook. Même Mayo, qu'on vendait à 1500, toujours à 1500. Puis nous prenons le carton toujours à 21 000 comme avant. Et nous vendons à 1500 pour avoir 800. Les prix là, c'est dans la télé. Ici au marché, rien n'a changé, tout est cher. Cette résistance à la baisse des prix, certains commerçants se justifient. Il y a des clients qui viennent et partent. Que on a changé les prix. Comment se fait-il qu'on a changé les prix? Et on vend toujours à 1500. Même comme on essaie de l'expliquer que c'est toi, on a encore l'ancien stock et ça en va. Donc on ne sait vraiment pas quoi faire. On a encore les cartons stockés au magasin. Pour redresser la courbe afin que le consommateur final trouve son compte, l'État devrait jouer son rôle de gendarme. Je pense que le travail à abattre n'est pas dans les marchés. Le travail à faire, c'est au niveau des producteurs et des distributeurs. Parce que dès lors que le travail sera fait à ce niveau, je pense que si on dit par exemple le litre c'est 1100 francs, tout le monde va s'accorder à vendre à 1100 francs. Mais dès lors que le travail n'est pas abattu en amont, on aura toujours ces problèmes que sur Facebook, on est à 1100 francs et sur le marché, on a mis 500 francs le litre. En attendant la phase répressive, les commerçants se frottent les mains. La suite, c'est avec vous, Gladys Sambo. Exactly, we continue. With the prices of cooking oil in our markets in Cameroon, despite a government resolve to bring down the prices of cooking oil, the situation remains unchanged as traders have developed a lukewarm attitude towards the decision put forth by the Ministry of Trade. Vendors express dissatisfaction as they are still purchasing vegetable oil at the same price. You tell us more, Ari Christie. The price of vegetable oil at the Sandaga market stores remain unchanged at 1,520 liters. The new prices fixed by the Minister of Trade, Luc Magloa, have not yet been implemented. The prices are still the same, nothing has changed. We still sell at 1,500 francs per liter and we purchase things still at the same price. Nothing has changed here at the market. Rien n'a changé, tout est cher. According to the government release, the price per liter was supposed to drop to 1,100 francs. This has created a conflict between sellers and buyers. Non, déjà avec le consommateur. With the consumer, we first serve a problem because when they come and you tell them the prices, refuse to accept, they said it has dropped to 1,100 francs a liter. Le litre de maillot, c'est 1,100 francs. Je dis, c'est faux. Je pense que le travail à abattre n'est pas dans les marchés. The state should only see on the side of the producer and the distributors and not at the market. If the producer sells expensive, we also were going to give it out expensive. If not, we will always be facing this problem.
Mais dès lors que le travail n'est pas abattu en amont, on aura toujours ces problèmes. Consumers are eagerly waiting the full implementation of this decision. And let's talk about the high rate of divorce cases in Cameroon Economic City, Douala. Recent results or revelations from the Ndokoti Court of First Instance revealed that out of 159 cases usually tabled before the magistrate, 72 cases are divorce cases. This alarming trend not only reflects the situation in Douala, but paints a grim picture of Cameroon's overall divorce rates. Let's have more with Morindi. The Ndokoti Court of First Instance recently witnessed a staggering influx of civil status cases, with divorce cases taking the lead. These concerning statistics shed light on the broader societal issue plaguing not only Douala, but the entirety of Cameroon. Think of prepare our children for marriage. So the women don't want to get into that state mental, because their mental health is very important. Experts and family counselors alike expressed little surprise at the soaring divorce rate, attributing them to the escalating incidents of conjugal violence documented across the country, economic hardship, infidelity, and a lot more. People marry because of what they see on social media. Social media has been at the cause of many divorces. You want your marriage to be like the one of the next person. And the next person, you don't even know their realities. As I said, infidelity, bodily violence, and you abandon your matrimonial home. Shockingly, between January and March 2024 alone, 17 women fell victim to such violence, prompting many to seek refuge in divorce proceedings. Then when you go to the High Court, that's when there's a lot to do. And we still have divorce that is based on fault. Fault finding divorce. Who is at fault? So you must prove your case that it is not me who is responsible for the marriage coming to an end. You need to go to professionals to be able to help you to overcome that hurdle. Because every marriage has hurdles. Is it money management? Is it management of in-laws? Moreover, there is a growing sentiment among women that toxic marriages are unsustainable, leading them to swiftly file for divorce. The inability to endure what they perceive as intolerable living conditions within marriage further fuels this trend. Divorce in many cases, and in very many cases, saves lives. It's like a treatment for your mental well-being. Is the worst thing in anybody's life. I have seen trauma caused by divorce on the people, on the couple themselves, and on the children and the whole family. Despite the apparent surge in divorce cases, the legal procedure remains arduous and emotionally taxing for those involved. Junior, we sports, as we earlier said in our headlines today, Junior. Tout de suite, retrouvons en direct du côté de Yaoundé, aux portes justement du ministère des Sports, Anissé, Daniel Anissé Boudjé et Constant Kamga, qui nous parlent de cette audience accordée au nouvel entraîneur des Lions Indomptables du Cameroun, Marc Brice. Anissé Boudjé, bonjour. Belge, le nouvel entraîneur des Lions Indomptables, okay. Marc Brice, est reçu depuis 12h15 par le maître des séances, le ministre Narcisse Molekambi. Il est arrivé ici, assisté de ses deux assistants, donc, et l'ont précédé ici le premier adjoint, l'entraîneur adjoint François Omambik. Et c'est un membre de l'encadrement technique récemment nommé le 2 avril dernier par le ministre des Sports. On l'a dit, cette audience est pour discuter des modalités de sa prise de fonction imminente, puisqu'il est prévu juste après ce tête-à-tête. Ce premier contact, la prélecture du contrat, ce sera juste dans la salle de conférence du ministère des Sports située juste derrière moi. Ensuite, suivra un peu plus tard dans l'après-midi la cérémonie de signature du contrat proprement dite et l'installation est probablement une conférence de presse du nouveau sélectionneur des Lions Indomptables. Il faut dire que Marc Brice arrive dans un contexte où il doit redorer forcément le blason des Lions Indomptables. L'un de ses plus grands défis sera sans doute de qualifier les Lions Indomptables du Cameroun pour la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026. En direct du ministère des Sports à Yaoundé, Daniel Anissé Boudjé, Constant Kamga pour Canal 2 International. Autre sujet à présent, le transport et le commerce sont
des secteurs importants dans l'économie, dans l'accroissement de l'économie nationale. Ils font très souvent face à des blocages qui les empêchent de se déployer dans leur pleine mesure. Après immersion dans certaines entreprises camerounaises, des étudiants ont présenté des idées pour leur développement. Les précisions avec Aruna Zira et Thierry Nana. Elle, le commerce, c'est l'univers dans lequel elle veut émerger. En 2 mois de stage, cette étudiante en deuxième année a décelé une faille dans l'entreprise qui l'accueille. Il s'agit du manque de stockage. La création d'un espace de stockage est primordiale pour plusieurs raisons. J'ai proposé à l'entreprise de créer un espace de stockage qui lui permettra d'éviter de diminuer les délais de livraison, d'améliorer les délais de paiement des clients et aussi de garantir sa solvabilité auprès de ses clients. Ici, face à un panel de jury, ces étudiants de l'université de Douala se prête également au jeu de recadre. Mon panel de jury m'a interpellé et fait des suggestions. Ces suggestions qui vont m'aider à améliorer mon travail dans le futur. Ce sont des rapports qui sont passés d'abord à des jurys de présoutenance. Et devant ces jurys de présoutenance, on a d'abord recadré, retravaillé et au besoin renvoyé des étudiants en entreprise pour les besoins d'informations nécessaire pour traiter en profondeur et de façon opérationnelle les différents problèmes que certains étudiants ont pu détecter. Plus de 230 rapports de stage sont passés au scanner. L'objectif est de les accompagner à se frotter aux réalités professionnelles des entreprises. Restons dans nos universités. Le personnel de l'université de Ngaoundéré invite à déclarer ses revenus. À ce titre, le centre régional des impôts de la Damawa vient de mener une sensibilisation, une campagne de sensibilisation. Le personnel de l'université de Ngaoundéré a jusqu'au 30 juin 2024 pour se mettre en règle, nous dit Eringele. Les objectifs assignés cette année au centre régional des impôts de la Damawa sont de 12 milliards et demi de francs CFA. L'université de Ngaoundéré représente dans cette assiette une niche fiscale importante. Aussi, l'opération de sensibilisation conduite ici interpelle tout le personnel à payer ses impôts, notamment celui visé par l'article 74 bis du Code général des impôts. Je pense venir nous aider à faire ces déclarations. Je pense que bon, c'est une bonne chose pour l'État. C'est-à-dire, mais on se rend quand même compte que ce ne sera pas facile parce qu'il y a beaucoup de choses que nous-mêmes ne savons même pas comment est-ce que ce sera calculé. La déclaration annuelle des revenus des personnels non professionnels rentre dans la catégorie de l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Les contribuables visés, les modalités de sa collecte ainsi que les sanctions encourues ont été présentées assorti d'un cas pratique. L'université a un véritable potentiel en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques au regard du nombre d'employés et nous pensons que le message est passé, même comme il faut davantage continuer dans la pédagogie et la sensibilisation. Au campus dedans, on a compris l'importance de payer cet impôt car c'est un acte citoyen. Mieux, primes et autres émoluments y sont également adossés. De la culture au rendez-vous de ce 13h depuis quelques semaines à Douala, l'artiste plasticien Joseph Francis Soumeigne offre au public de la ville une exposition impressionnante. Ce matin, l'espace public de la poste centrale à côté de Bolandia est animé par l'arrivée de 9 notables, une sculpture d'assemblage de matériaux de récupération qui prend la forme humaine et traduit l'influence de la loi coutumière sur la vie et la justice sociale au Cameroun. Reportage avec la collaboration de Lionel Tchoufou. Des visages de fer sur 9 corps sculptés de matériaux de récupération et exposés dans cet espace public à la poste centrale de Douala, au quartier Bolandia. Le spectacle s'appelle La Citadelle des Anciens. Je crois que c'est mon travail de chevet. C'est la collection qui a parrainé toute ma carrière. C'est un plaisir de présenter les notables à cette étape à Douala, parce qu'en fait, ils sont toujours inachevés
parce que mon rêve, c'est d'en faire un chef-d'œuvre. Les Neuf Notables est le titre de cette installation de sculpture d'assemblage. Le public est émerveillé et immortalise ses œuvres d'art. Celui qui voit des choses positivement, ça contribue à l'unité nationale, que la personne, c'est un génie. C'est un génie, parce qu'il faut être vraiment très doué pour faire ce genre de choses. On remarque que ce sont des guerriers autour d'une assise ou des palabres du village. En offrant au public cette installation de sculpture, l'espace Douala Art contribue à la valorisation de la culture camerounaise et au renforcement de l'unité nationale au Cameroun. Ça nous aide à ne pas nous déconnecter de notre vie ancestrale. Là, nous sommes dans la modernisation déjà. Alors, on nous fait comprendre déjà à travers ces travaux de Neuf Notables, chacun a sa place. Avec cet événement, nous devons mettre en perspective une sorte de plaidoyer en vue de soutenir l'artiste pour des fins de travaux sur la nouvelle liberté. L'artiste Joseph Francis Sumeigneur en est l'auteur, lui qui est l'auteur méconnu du célèbre monument de la liberté en quoi appelé Djundjou au rond-point d'Eido de Douala. Poursuivons avec vous, Gladys Sambo. Exactly. We now talk economy. We move to the northwest region of Cameroon to focus on full activities that have resumed on the road linking Bamenda to Nigeria, passing through Batibo, Widikum, Mamfi, and Ekok. For 1 month, separatist fighters had warned all those using the road, the Trans-African route, which they accused government forces of using to the detriment of the local population. And since March 4th, 2024, vehicles from Bamenda could only go up to Bali in the Mazam division. Let's have more with Annie Collins from Bamenda. Right in front of cameras, the drivers do not care displaying the effects of hunger on their bellies as a result of the 1 month shutdown of the Bamenda Mamfi Ekok Nigeria route. Why, oh my God, I pray for me to come to know how again, no? Because this thing happened again, I'm not sure how I'm going to Bamenda. I'm better running the Bamenda for life. Since the 4th of March, when separatist fighters announced the closure of the Trans-African Highway, some drivers took to other activities on a casual basis. I was occupying myself by going to the farm, so I actually used the 1 month in a positive way. But the only thing is that hunger will keep my children at home, because when I go to the farm, I manage the food that I can harvest from the farm, and I come back and try to get some oil and buy it to feed the house with it. So after that, I will still say, God has it all. At the hospital runabout in Bamenda, where loading and offloading to and from Nigeria is done, the booming atmosphere has resumed with petty traders picking the fallout. As for traders whose activities depend on trade between Cameroon and Nigeria, it is a sigh of relief. I'm so difficult because the man very old, and the only person that is Costa, the woman, Tukumba, because of the blockage. Mine is so bad. Going through Bahusa was like a nightmare because I have had no agency up that way. So, in fact, so a cross-section of the people have reiterated the appeal for both parties in the over 7 years-old socio-political crisis to seek lasting solutions and build the common man out of the present quagmire. That was Rada Kejang Henry Atembe reporting there. And we stay in economy. It said the Bank of Central African States, BEAC, is set to withdraw 230 billion francs CFA from commercial banks in a bid to tighten the monetary policy, stabilize currency, and fight against inflation across the sub-region. However, questions arise as to why such a significant sum remain lying unutilized in commercial banks when businesses cannot access bank loans. Let's have the details in this report. The Bank of Central African States, BEAC, has announced plans to withdraw a staggering 230 billion francs CFA from commercial banks as part of its effort to tighten monetary policy, stabilize currency fluctuations, and combat inflation within the sub-region. What the central bank is doing actually is a puncture of what we have as
over saving in the banking, they have decided to withdraw close to 230 billion, which are, let's say, sleeping in the register of the commercial bank. However, what remains perplexing to many observers is the sheer magnitude of funds lying idle in banks. While businesses, particularly in Cameroon, continue to face hurdles in obtaining loans essential for growth and development, critics point to factors such as unbankable projects and security challenges in certain regions such as the far north and Anglophone areas as possible explanations for this discrepancy. The presence of those 200 billion can be justified by the fact that here in Cameroon we have launched many public projects, parastatal projects, in the project in various domains. Those projects haven't yielded any fruit. Secondly, in an environment of insecurity, which kind of activity can you carry out? Despite BEAC's initiative, doubts persist over its effectiveness, with some experts questioning its ability to address underlying issues across the sub-region. In my opinion, this is not really the panacea to the challenge we have at hand. Now, BEAC wants to withdraw 230 billion francs from circulation. I am afraid this may rather lead to a more serious challenge than what we're facing. The measures that we're supposed to do now is to see how to motivate local production. As Central African economies navigate through these challenging times, the effectiveness of BEAC's monetary policy measures remains a subject of intense scrutiny, with stakeholders eagerly awaiting tangible results in the quest for stability and prosperity. And before we wrap up, as we said earlier, on our headlines, the newly appointed head coach of the Indomitable Lions of Cameroon have finally arrived the country to take up his top job. He is currently at the Ministry of Sports and Physical Education holding talks with Narcisse Kumuele Kombi ahead of the contract signing ceremony that will take place later today. We have our reporter, Haisen Chia, who is, there are indications that he is not around. We move to another element, Junior. Eh bien, en religion, on va s'intéresser à ce conseil des églises protestantes du Cameroun qui vient justement de rendre visite aux pensionnaires de la prison de Nubel du côté de Douala. On en parle avec Leslie Nepumucha et Lionel Tchoufou. Replacer la parole de Dieu au centre de l'Église, c'est en cela que se résume le protestantisme. Et pour la cinquième année consécutive, le Conseil des Églises protestantes du Cameroun se déplace sur le terrain aux côtés des personnes vulnérables. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous sommes encore à la Pâque. Et à la Pâque, tous les chrétiens du monde entier célèbrent la résurrection. C'est une fête, c'est une joie. Et nous ne pouvons pas laisser les prisonniers qui sont des citoyens et des chrétiens à part entière à l'écart de cette célébration. C'est pourquoi nous sommes regroupés et nous venons célébrer la Pâque avec eux. Par leurs prières, louanges et dons en nature, ces chrétiens protestants des églises évangéliques, presbytériennes, baptistes et luthériennes ont tenu à vivre et à partager le message de la résurrection du Christ avec les détenus de la prison centrale de Nouvelle Douala. La diaconie s'étend dans presque tous les domaines, mais exclusivement pour les prisonniers, nous avons placé, n'est-ce pas, après la Pâque. Il n'y a pas seulement que l'Église évangélique du Cameroun, il y a aussi les autres protestants tels que l'EPC, l'UEPC, ainsi de suite. Presque toutes les églises membres du SEPCA. C'est pour ça que nous nous retrouvons ici immédiatement après la célébration de la fête. Parce que cette journée du protestantisme se tient toujours après la célébration de la fête de Pâques. Le samedi 6 avril 2024, baptisée journée du protestant par le SEPCA, a été l'occasion pour l'Église protestante de manifester son engagement social. Eh bien, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Gladys Ambo.
Yeah, this way we wrap up this edition of the Bilingual Newscast on Canal D International. It is a pleasure knowing you are watching. We shall be yours again tomorrow, same time, God's willing. But don't go away. Stay tuned to programs on Canal D International. Good day. Good day.